venir les jeunes s'approchent, c'est la semaine prochaine. Amen. Ça sera le dimanche, ça va vraiment très vite. C'était quelque chose qui était très loin, mais là, ça s'approche. Alors, je pense que nous sommes tous préparés pour ça. J'ai essayé de parler avec des frères pour essayer de mettre les dernières choses en place pour le bon développement. Amen. Il y a un pasteur qui viendra des États-Unis, qui s'appelle le pasteur Marion. C'est un Nigérien, je pense, mais il vient aux États-Unis. Et le frère Tara et tout le monde, et son église, sa famille, ils seront là le mercredi. Et le frère Gilles Koumbo aussi sera là le jeudi. Et aussi beaucoup de gens qui viendront de Manchester. Donc les réunions se dérouleront ici chez nous. Nous allons essayer d'accommoder tout le monde ici, ça va être difficile, mais on va voir. Amen. Amen. Bon, pour essayer un peu de limiter les dépenses, nous allons faire ça ici. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons ouvrir notre livre dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 6. Nous allons lire deux endroits. Nous allons continuer avec notre prédication de la fin des mains sur la substance forte. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cœur du Seigneur. Béni sois-tu, tant que Père Céleste. Combien nous te sommes reconnaissants pour la révélation de la parole, Père. Seigneur, si nous sommes un peuple joyeux, c'est parce que nous avons vu la grande lumière, Père de mai, qui est venue, Seigneur, éclairer nos âmes. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous nous réjouissons dans Shalom. Béni Seigneur, Seigneur, mon précieux, béni chacun de nous, béni la lecture de la parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour vous asseoir, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vais commencer là où j'étais arrêté. Comme la Bible le dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Amen. Notre message, le message de Frère Branham est basé par la foi. Amen. Dans la statue de l'homme parfait, la première étape, c'est la foi. Le Frère Branham dit que ce n'est pas votre foi, mais c'est la foi de Jésus. Amen. Quand nous descendons la pyramide, là, la première vertu, c'est la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais selon la définition de la Bible, on dit que la foi est une substance. Donc, une substance, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Amen. C'est-à-dire que c'est au travers de la foi que nous croyons que Adam et Ève ont existé. Amen. Que Adam et Ève ont été chassés du Jordan. Parce que c'est Moïse qui nous l'a dit. Amen. Moïse lui-même n'était pas là. Yes. Amen. Amen. Mais tout le monde le croit, n'est-ce pas? Amen. Amen. Moïse a donné même les détails. Amen. Amen. Mais c'est par la foi que nous le croyons. Amen. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par les choses invisibles. Yes. Dieu a parlé et on a eu tout ce qu'on a en existence. Et toute la parole de Dieu est basée par la foi. Yes, sir. C'est-à-dire que même la venue du Seigneur est basée par la foi. Amen. La guérison divine est basée par la foi. Tout. C'est-à-dire que la foi est la base.
de tout. Yes. Donc, si tu n'as pas de foi, tu ne commences même pas. My. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, comme je l'ai dit la fois dernière, trouverai-je la foi à mon retour. Parce que cela a été tellement difficile de croire en Jésus. C'est ce qu'on a vu avec les enfants ici. Amen. Ils étaient à l'expectative du Messie, que le Messie viendra. Mais ils avaient leur propre pensée de la venue du Messie. Yes. Et quand le Messie est venu, selon la parole, ils l'ont manqué. Paul dit que pour eux, le Messie devait être quelqu'un de très grand qui descendra du ciel. Il fera descendre une échelle du ciel et il va commencer à descendre. Parce qu'il est écrit, le Seigneur entrera dans son temple. Or, le temple en question, c'était un homme, Jésus. Yes. Oui, le Seigneur était bel et bien entré dans son temple. Yes. Mais quel est temple? Quel temple? Non, ça peut être lui parce qu'il n'est pas entré dans le temple, mais qu'est-ce que vous, vous appelez le temple? Amen. C'est tellement difficile de saisir la pensée de Dieu, voilà pourquoi on nous demande de croire. Tu crois d'abord et tu verras. Amen. C'est comme ça les choses de Dieu. Tu crois d'abord. Si vous croyez et vous verrez les choses, hein, ça Amen. C'est ce que Jésus dit. Yes, l'homme du figuier. Quand le figuier était séché, Jésus a dit, le disciple, Seigneur, au maître, regarde le figuier que tu avais maudit. En vérité, je vous l'ai dit. Si vous croyez, vous verrez la chose s'accomplir. Amen. Donc vous croyez d'abord. Si la parole dit quelque chose, vous croyez d'abord. Quand vous croyez, en ce moment-là, Dieu ouvrira vos yeux. Yes. Yes. C'est comme ça que ça se passe. Il faut pas dire que si on peut voir directement, on n'a pas besoin de foi. Yes. Voilà pourquoi les gens qui ont la foi, ils sont des fous. Yes. Amen. Vous pensez qu'un homme comme Abraham, lorsqu'on lui a dit, sors du pays de ton père, va dans un pays, qu'est-ce que je te montrerai? Vous pensez qu'Abraham savait où il allait? Non. Mais il avait foi en Dieu. Il a commencé à marcher. Abraham, où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. Abraham, tu vas où? Je ne sais pas. Pourtant, moi, Abraham, c'était un irresponsable. Un irresponsable. My. Il va quelque part où il ne connaît pas. Yes. Ça veut dire que c'est un voyage sans destination. C'est ça le monde de la foi. Le monde de la foi, c'est le monde de la folie. Yes, sir. Quand Dieu déclare des choses, nous les prenons par la foi, après nous allons les voir. Yes. Dieu nous avait dit que je vous enverrai Élie les prophètes, comme on a dit. Quand Dieu envoie, ce n'est pas que Dieu vous envoie, lui reste. Quand Dieu envoie, Dieu lui-même vient avec Élie. Yes. Amen. My. Il nous a dit, Dieu nous a dit qu'il nous visitera en tant que prophète. Et là, si vous attendez le Messie, cela doit être un prophète. Amen. Attendez-vous à un prophète si vous attendez le Messie. Même Jésus lui-même était un prophète. Amen. Parce que le Messie, c'est un prophète. Amen. C'est par le monde de la foi. Même vous pensez que quand Pierre avait suivi Jésus, il avait compris. Pierre ne comprenait rien. Parce que Jésus leur dit, Pierre, quand tu seras converti, convertis aussi tes frères. Ils suivaient par la foi. Ils ne connaissaient pas qui Jésus était. Mais la foi qu'ils avaient en Christ les a amenés jusque dans la chambre haute. Et là, ils ont eu maintenant une nouvelle naissance. Amen. C'est-à-dire que la condescendance de Dieu dans leur cœur. C'est là où vous voyez maintenant que Pierre était quelqu'un qui avait la puissance. Quand il marchait même sur le bras, il commençait à guérir les malades. Et c'est la même puissance que nous avons aujourd'hui. Mais vous devez simplement les croire. Amen. Parce que la grande colonne de feu qui avait la grande puissance, si cela demeurait en Jésus-Christ, ça produit la puissance, en nous aussi ça fera la même chose. Amen. Ça fera la même chose. Nous avons la même puissance. C'est-à-dire que nous avons dit que la puissance qui a appelé le monde en existence se trouve dans l'homme. C'est-à-dire que Dieu devient l'homme. Amen. Mais il faut les croire.
Oui, le Messie viendra, mais pas comme un bébé. Mais Siméon, un homme de la foi, lorsqu'il a vu le Messie, il dit que mes yeux ont vu le salut d'Israël. Laissez-moi m'en aller en paix. Voilà. Amen. C'est ce qu'on avait dit de Marie ici. Qu'il ne soit fait selon la parole. Parce que Marie, je n'avais pas compris. Il dit, oh, comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je ne connais pas l'homme. Selon la science, pour tomber enceinte, il faut aller avec un homme. Mais moi, je ne connais aucun homme. Comment cela se fera? Le Saint-Esprit te couvrira. Ça, là, c'était la substance pour Marie. C'était suffisant pour qu'elle puisse croire. Comment est-ce que ça se fera? Ce n'était pas son problème. Son problème était que Dieu a dit. C'est pourquoi le frère Manon dit que c'est l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur, c'est notre substance. Amen. Et Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Mais le prédicateur Zacharie, lui, il a douté la promesse de Dieu. Amen. La femme aujourd'hui, elle a reconnu le Messie lorsque le Messie avait discerné sa pensée. Femme a dit qu'elle connaissait plus Dieu que tous les prédicateurs mettaient ensemble. Pendant que les églises attendaient le Messie, la femme a pris une prostituée, s'il vous plaît. Une prostituée a cru. Frère, la parole de Dieu, c'est un paradoxe. Alors, j'étais en train de lire une citation, mais malheureusement, je t'ai arrêté. Le frère a dit ceci. Dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Un autre titre, c'est notre foi. Il dit ceci. Nous raisonnons avec notre esprit. Mais le cœur ne raisonne pas. Le cœur croit tout simplement. Nous avons dit que le domaine de la chair, c'est-à-dire que les cinq sens ne concernent pas les choses de Dieu. C'est-à-dire que ça, on doit déjà oublier. C'est-à-dire que aucune promesse de Dieu ne concerne les cinq sens. Je commence. Ne concerne le toucher, ne concerne l'ouïe, yes, ne concerne la vue. Yes. C'est-à-dire que quand on dit que Jésus viendra, nous allons le voir, c'est-à-dire que les gens parlent de cette vue. Les choses de Dieu ne concernent pas ça. Yes, sir. Ni le toucher, ni la vue, ni l'ouïe, ni la sensation. Yes. C'est pourquoi les gens on parle du baptême du Saint-Esprit, ça a sensation. Mais la personne de Christ vivant dans l'être humain. Voilà. Ça veut dire que les cinq sens ici du corps sont déjà éliminés. C'est le premier poule. Dieu n'est pas le premier poule. N'importe qui peut imiter ça. Nous voyons beaucoup de prédicateurs dénominationnels. Ils soutiennent de l'argent. Parce que les gens aiment les sensations. Si vous voyez, il y a des histoires sur Internet, vous allez voir un prédicateur qui se couche sur une brique, une seule. J'ai vu un prédicateur qui prend tout un parfum et met sur quelqu'un. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir dans ça? Les cinq sens ne concernent pas Dieu. Nous sommes des privilégiés parce que nous avons reçu un prophète. Nous avons compris que toutes ces choses-là, ce n'est pas Dieu. Maintenant, l'esprit aussi. C'est-à-dire la conscience, mémoire, tout ça aussi éliminé. C'est là aussi le concept de Dieu. Parce que ça aussi, c'était le deuxième poule. Mais il y a le corps aussi limité. Une fois, j'avais vu un document, un monsieur qui pouvait lire les pensées. Il prend la clé. Il donne à quelqu'un, il dit, va t'acheter cette clé n'importe où. Il dit, mais la seule chose que je te demande, c'est de penser à ça. N'arrête pas de penser là où tu as mis la clé. Ne me dis rien, mais pense simplement à ça.
C'est-à-dire que les messieurs étaient capables de lire la pensée dans la mémoire. Mais la pensée du cœur, ça s'est réservé à Dieu. Amen. Yes, sir. Amen. Maintenant, vous qui regardez, vous ne saurez pas si le monsieur est en train de discerner les pensées du cœur ou la pensée du cerveau. Les deux autres poules, ça a été imité. Maintenant, les troisièmes poules, là maintenant, il n'y a que deux choses. Soit c'est la foi, ou soit c'est les crédités, doute. Et là, il n'y a aucune sensation. C'est-à-dire que le message de frère Branham est destiné dans l'âme. Et c'est ça qu'on avait dit, que l'âme ici, c'est ça, c'est ce que nous appelons les super sens. C'est-à-dire que frère Branham dit que les super sens, c'est le sixième sens. Il dit ça, ce n'est qu'un pour un chrétien. Frère Branham dit, vous pouvez être guéri d'une maladie et aller en enfer. Mais la foi de l'âme, si quelqu'un en a, ne peut jamais aller en enfer. Parce qu'un homme ne peut pas voir la foi de son âme et aller en enfer, c'est impossible. Là, nous parlons de la foi comme étant loi et la foi comme un don. Et la foi comme un don, c'est une condescendance. Amen. Dieu lui-même qui descend à l'homme, c'est lui qui vient croire la parole de l'homme. C'est ce que le frère Branham dit. Dieu qui descend à l'homme pour adorer et être adoré. C'est-à-dire que c'est la condescendance de Dieu. Il amène sa propre pensée au travers de sa parole. C'est le message qu'on a nous a prêché. Voilà pourquoi, avant l'ouverture de sceau, personne ne connaissait Dieu. Jésus avait dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les saisir maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il est. Pronom personnel, c'est une personne. Yes. Amen. Nous ne sommes pas les dénominationnels qui pensent que le Saint-Esprit c'est un vent. Non. Parce que là-bas, la chambre haute, c'était un vent. Ils pensent que c'est resté un vent pour toujours. Ils ont pris Dieu, ils ont cloué dans Jésus. Ils pensent que pour que Dieu soit Dieu, il doit être l'homme d'éternité. C'est ça la dénomination. Et quand on cherche un Jésus qui vient comme ça, on n'a plus besoin de foi. Mais avec la foi qui est une substance, je peux déclarer fort qu'il est ici. Amen. 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 Prenez quelque chose, il faut même dire, le cœur croit simplement. Nous regardons avec nos yeux, mais nous voyons avec notre cœur. Amen. Amen. Je pense à cette chose. La foi prêchée. À Zion, c'est en Suisse. Le fait de la visite. La foi est une substance. C'est un sens. C'est le sixième sens du corps humain. L'âme humaine a deux sens. Chaque personne a cinq sens qui contrôlent le corps humain. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. L'homme intérieur a deux sens. La foi et l'incrédulité. L'un d'eux domine. Amen. C'est-à-dire que tout ce que nous avons ici, ça ne concerne pas les choses de Dieu. Dieu et Satan, leur bataille, c'est ça. Même Satan n'est pas concerné par ça. Maintenant, Satan utilise maintenant les cinq sens comme un instrument. C'est un véritable instrument de Satan. C'est pourquoi le frère Branham dit que l'ennemi de frère Branham, c'est frère Branham lui-même. C'est-à-dire que, oh, notre ennemi, c'est Satan. C'est-à-dire que si mon ennemi, c'est moi-même, c'est-à-dire que Satan, c'est ma chair. Satan, c'est ma chair. Yes. Satan, c'est pas quelqu'un qui arrive, qui vit loin. Satan, c'est toi-même. C'est pourquoi il faut vraiment penser la grande bataille jamais livrée. Parce que l'esprit, c'est le milieu. Ici, là, il y a la pression et ici, il y a la pression. À chaque fois que je veux croire quelque chose m'attire vers la guerre, et Paul dit, qui me délivrera de ce corps de péché? C'est-à-dire la chair, ça devient une prison pour un croyant. Voilà. Amen. C'est une prison parce que c'est le désir, c'est la chair qui t'amène vers l'incrédulité.
Mais la foi qui est le super-sens t'amène à croire ce qu'est la pensée de Dieu. Le frère Branham dit ceci. Il dit, l'homme intérieur a deux sens, la foi et l'incrédulité, l'un des domaines. C'est nous avons là. Maintenant, l'imagination, la conscience, l'affection, les raisonnements, la mémoire, c'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau du cerveau. C'est pourquoi vous voyez là, quelqu'un est en train de vieillir, il commence à oublier les choses. C'est-à-dire la mémoire commence à s'affaiblir. Ça c'est là. Mais ce qui est à l'intérieur ici ne peut pas changer. Et là, c'est la sémence prédestinée. Amen. Tout ça, cinq sens, ça contrôle le corps. Faut vraiment dire que Dieu ne vous a jamais donné votre corps pour le contacter. Amen. En aucun cas, l'homme contacte Dieu avec ses cinq sens. Yes. L'homme contacte Dieu avec le sixième sens, simplement. C'est ce qui décide. Look here. You are an outside person. You have five senses that contact that outside body. Vous avez les cinq sens pour contacter le corps extérieur. God gave you five senses not to contact him. Dieu vous a donné cinq sens pas pour les contacter. C'est-à-dire que si vous croyez que quand Jésus viendra, je le verrai avec cet yeux physique, oubliez ça. Parce que les yeux ne vous ont jamais été donnés pour contacter Dieu. Amen. L'homme doit contacter Dieu par le sept sens, le sixième sens, qui est la foi. Your earthly home, si this faith smell and hear, si vous avez besoin d'écouter la bonne nourriture, utilisez vos cinq sens. Yes. Yes. Amen. Amen. Utilisez vos cinq sens. Si tu veux te déplacer, utilise tes cinq sens. Voilà. Si tu veux te fâcher contre quelqu'un, utilise tes cinq sens de l'esprit. Mais ta conscience, elle ne comprendra jamais Dieu. Voilà. Faut dire, c'est ça qu'on fait à l'église, à l'école. Nous développons l'intelligence. C'est au niveau de l'esprit. Mais la seule personne qui peut développer le sixième sens, c'est là que Dieu lui-même et Dieu est la parole. Amen. Ça veut dire que le sixième sens, cette foi-là, on avait dit que la foi est une révélation. Et la foi est une révélation pour tout le monde. Même l'incrédulité révèle à l'incrédule ce qu'il est. La foi veut dire que vous avez été dans la pensée de Dieu dès avant la fondation du monde. Et vous dites amen à ça. Mais qui était là? Qui est le souvenir? Personne. Mais vous ne croyez pas la foi. C'est ça. Femme, vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez le croire. Parce que quand on le fait, on a toujours existé. On a d'abord existé dans le Père. Et nous sommes manifestés. Et on s'appelle, on dit, ça c'est mon frère. Tu l'appelles frère parce que vous avez existé comme étant gêné dans votre papa. Et si on regarde frère Noé et frère Élie, on leur demande quels sont les souvenirs que vous avez dans votre père, ils n'ont aucun souvenir. Mais ils savent au moins qu'ils ont existé dans leur papa. Et nous aussi, nous avons existé en Dieu. Voilà pourquoi on s'appelle frère et soeur. Amen. C'est pourquoi le Fabien dit que les titres pasteur, évangéliste, diacre, ça ce sont des titres célestes et terrestres. Et le frère Fabien dit que j'ai toujours signé mon nom révérend. Il dit mais c'est du non-sens. Mal. C'est du non-sens. Le vrai terme, c'est frère. Amen. Parce que quand le frère Fabien est parti là-bas, on lui a dit notre précieux prophète. Non. Notre précieux frère. Nous sommes tous frères parce que nous avons été dans la pensée de Dieu. C'est ça le mystère de la prédestination. Then you have the spirit on the inside of that and it has five outlets. Conscience and love and so forth. Five outlets that you contact the spirit world with that but with your spirit. C'est-à-dire que dans le domaine spirituel, si vous contactez les choses
spirituel. Mais ça ne contacte toujours pas Dieu. Parce qu'un magicien travaille dans le monde spirituel, mais il ne peut pas contacter Dieu. Parce que s'il contacte Dieu, il est sauvé. Yes. Ça veut dire même l'esprit aussi oublié. L'homme n'a pas de contact avec Dieu dans son esprit. Et frère, ce qui est au niveau de l'âme, tout celui qui ne vit pas dans l'âme, qui vit à l'extérieur ici, vous prenez pour un fou. Yes. Voilà pourquoi Noé était un fou. Abraham était un fou. Abel était un fou. Et nous aussi, nous sommes des fous. Maman. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Jésus viendra. Oui, c'est vrai qu'il viendra. Mais il viendra comment? Avant de poser la question comment il viendra, posez d'abord la question qui est Jésus? C'est ça le problème d'abord. Parce que si vous attendez quelqu'un, vous devez d'abord le connaître. Yes. Yes. Jacques pensait connaître Jésus. C'est comme le frère Manon dit que quand Jésus avait dit que parmi vous ici, il y a des gens qui ne mourront pas, ils verront la seconde venue. Ils sont partis dire aux gens que Jésus a dit que Jean a recours à sauter. Mais ce n'est pas ce que Jésus avait dit. C'est-à-dire qu'ils avaient une autre compréhension. Mais c'était que Jésus devait amener Jean au jour du Seigneur. Et au jour du Seigneur, qu'est-ce que Jean voit? Jean voit l'ouverture des sceaux. Jean voit les sept tonnerres. C'est ça que Jean a vu au jour du Seigneur. C'est-à-dire que quand est-ce que nous avons vu les sept tonnerres? Aujourd'hui. C'est-à-dire que Jean avait voyagé aujourd'hui. Amen. Jean est arrivé au jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, ce n'est pas le septième âge de l'Église. Non. Le jour du Seigneur, c'est en dehors du septième âge. Amen. Parce que quand Jean est parti voir là-bas, il n'a pas vu l'homme de Galilée. Il a vu un Jésus qui avait les yeux comme le flamme de feu. Il voit un Jésus avec le pied de rein. Il a décrit autrement, ce n'était pas son ami de Galilée. Non. Il dit, quand je l'ai vu, je suis tombé comme mort. Il dit, relève-toi. Je suis celui qui était mort et qui est ressuscité. La résurrection de Jésus, il ne s'agit pas de l'homme de Galilée. La résurrection de Jésus, il s'agit des œuvres qu'il avait fait. Lisez la prédication de Frère Balou qui l'a intitulé la résurrection. Christ est ressuscité. Il montre comment est-ce que Christ est ressuscité. Il dit quand il revient, il fait les mêmes choses qu'il avait fait. C'est ça la résurrection de Christ. Amen. Et Jean avait vu un Christ ressuscité dans le jour du Seigneur. Et Jean était prêt à adorer l'homme. On lui dit, ne m'adore pas. Je suis même le prophète. Frère Madame dit que cet homme-là n'était pas un juif. Parce que si c'était un juif, Jean allait le reconnaître. C'était un homme de nation. Yes. C'est pourquoi nous disons que la chair de Frère Branham n'était pas à Dieu. Yes. Ni la chair de Jésus. My. Frère Branham dit, ils ont tous des amis, mais qui est cet homme-là? Comment est-ce qu'il peut être Dieu? Frère Branham dit, non. Le corps n'était pas la divinité, mais la divinité habitait dans le corps. Amen. Ça veut dire qu'on doit comprendre disséquer la chair et la divinité. Et cela se passe de la même manière que vous et moi. Nous sommes des divins. Amen. Même quand nous marchons, nous sommes des divins. Mm. Parce que si tu n'es pas un divin, ce message ne te concerne pas. Amen. Ça, c'est le message de Dieu. Alors, si nous croyons le message est venu nous révéler ce que nous étions. Amen. Et la foi, c'est une révélation. Amen. Parce que la grande foi, qui est un don, devait venir après dans l'ouverture des sceaux. C'est là où on parle de la foi comme étant substance. Quand nous avons vu la descente de l'animal, on a compris que tout ce qu'on attendait, c'est du passé. Voilà. Amen. Et nous ne croyons pas la foi. Et la foi est une substance. J'ai au moins une substance pour prouver que ce que les gens attendent, c'est du passé. Comment est-ce que tu le sais? La descente de la nuit. On prend la première Bible qui est la première, le zodiaque. L'âge du lion. Parce qu'à Proverbe chapitre 10, c'est le lion qui rugit. Zodiaque clôturé. On prend la pyramide, c'est la pierre de fête. La dernière dispensation, culturelle.
On prend la Bible, c'est la Bible moderne. Nous sommes à Apocalypse chapitre 22. Ça dit que la Bible est terminée. Ça, c'est le déclencheur de Frère Branham. Si le Frère Branham dit qu'il faut d'Apocalypse chapitre 22, c'est qu'il ne reste plus rien. Tout ce qui devait arriver en bas, c'est déjà arrivé. C'est à vous maintenant d'ajuster votre pensée. Voilà. Mais vous devez d'abord le croire avant de le voir. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin du don de la foi. Jésus dit, est-ce que je trouverai la foi quand je reviendrai? Parce que les frères devaient ramener la foi des pères. Sa mission, c'était de ramener la foi. Et c'est cette foi-là que nous avons besoin pour croire. Il faut donner un conclusion. Il dit ceci. Your physical contact the physical. Votre physique contact le physique dans le leadership. Your spiritual contact the spiritual. Votre esprit contact le spirituel. But inside, mais à l'intérieur, on that you've got a soul, and that soul is that gene that comes from God. Amen. Amen. À l'intérieur de vous, vous avez les gènes. C'est une partie de Dieu. C'est la chose qui est venue de Dieu. Et c'est ce que Jésus appelle les dons. Et le fait qu'on appelle ça le sixième sens. C'est-à-dire que c'est une condescendance. Ici, nous parlons de la vérité de nos sens. C'est comme la femme au puits. Dans quelques minutes, sa vie avait changé. Bien constitué. Arrivé devant Jésus, quand Jésus a discerné ses pensées, elle dit que n'es-tu pas le Messie de me venir? Il dit, je le suis. Automatiquement, quelque chose s'est passé dans son cœur. Elle est devenue une nouvelle créature. C'est-à-dire que quand il parlait de l'eau, donne-moi de l'eau. Mais il n'y a rien entre toi et moi. Comment est-ce que tu me demandes de l'eau? Si tu connaissais la personne qui te parle, c'est toi qui allais lui demander à boire. Il dit, oh, mais comment est-ce que tu dis ça? Le puits est profond. Tu n'as même pas quelque chose pour prendre l'eau. Mais toi, de l'eau, tu vas trouver ça où? En ce moment-là, la pensée de la femme, c'était l'eau et vient. C'est ça les choses de Dieu. C'était et vient dans sa pensée jusque. Jésus dit, si je te donne mon nom, tu n'auras plus jamais soif. Il dit, ah, mais ça c'est intéressant. Au lieu que je vienne toujours ici puiser de l'eau, donne-moi cet homme-là, je vais voir. Comme ça, je ne reviendrai plus jamais ici. Et maintenant, Jésus donne de l'eau. Va appeler ton mari. Ça c'était de l'eau. Voilà. Je n'ai pas de mari. Oh. Ah, en cela, tu as livré. Là maintenant, il est en train de boire. Frère, les choses de Dieu n'ont rien à voir avec la plaisir. Frère, les cinq sens ne feront que vous amouriez. Yes. Si c'est qui est vrai. La nouvelle naissance, c'est un gâchis. C'est-à-dire que la femme là était en train de changer sa pensée. Le logos de l'eau. Pour Jésus, l'eau, ce n'était pas l'eau qu'on puisait là. L'eau, c'était lui, parce que l'eau, c'est la parole. Amen. Amen. Donc Jésus est venu avec, donc c'est-à-dire que cette définition à lui, les gens utilisent le même mot, voilà pourquoi nous avons un problème dans le message, nous utilisons le même mot, on parle de Jésus, mais ben, Jésus a pas qu'il s'est mis, ce n'est pas le même Jésus que les gens parlent, chaque personne a son nom Jésus, parce que quand je parle du Père, chaque personne voit le Père à Asma. Oh, Jésus dit que je suis le Père qui est descendu du ciel. Comment ça? Depuis quand toi tu es devenu un Père? Yes, comment? Toi, un homme, tu es devenu un Père. Mm-hmm. Là-bas, on nous avait dit que tu étais l'agneau. Mm-hmm. Maintenant, tu es devenu un Père. Mm-hmm. Et derrière, tu serais qui? Arachid. Agneau. Et après, quelque temps, la même personne qui revient devient le lion. C'est-à-dire que Dieu utilise les mêmes mots, mais les définitions sont différentes. Jésus donne la parole à la femme au père. Va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Assez toi livre. Même celui qui est dans ta maison n'est pas ton mari non plus. Seul, tu es le prophète. Elle boit maintenant de l'eau. C'est-à-dire qu'il parlait, c'était la conversation sur l'eau, mais dans la pensée de Jésus, c'était carrément autre chose. Et dans la pensée de cette dame-là, c'était autre chose. Et Jésus essaie maintenant de ramener la pensée de cette femme-là à sa pensée à lui. Lorsque la femme est arrivée à la pensée de Jésus, la nouvelle naissance est sortie. En ce moment-là, une chose s'est passée avec elle. Elle saute, venue voir un homme qui m'a dit tout. Oh, aujourd'hui, nous sommes venus dans le message avec notre propre pensée.
Nous sommes des catholiques, nous sommes des protestants, nous sommes des témoins de Jéhovah et nous sommes surtout des Almanachs. C'est-à-dire que les mêmes promesses qu'on attendait dans l'église des Almanachs, on est venu dans les messages attendant les mêmes promesses. Et pourtant, lorsque le message est arrivé au Congo, les frères Branham étaient déjà partis à la maison. Déjà. Les sceaux prêchés. Déjà. La nuée est descendue. Où? C'est-à-dire que la mission était déjà arrivée à la fin. Et lorsqu'on est arrivé là, on pensait que le message venait de commencer. Or, le message était déjà fini. Oh. Je vous dis ce qui est vrai. Maintenant, ça qu'on a voulu la penser, on attendait, ça n'arrivait pas. Si vous regardez, vous avez remarqué que les gens avaient, donc c'est-à-dire une grande zèle. Ils étaient serrés, mais à un certain moment, ils commencent à se décourager. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une autre pensée. Ils ont arrêté de faire le commerce, ils ont arrêté d'aller au travail parce qu'ils seront enlevés. Ils sont devenus pauvres pour rien. Amen. Mais le message ne nous demande pas d'être pauvres. Amen. Parce que la bénédiction, elle est spirituelle et aussi matérielle. Amen. Dans tout ce que nous avons besoin, dans tout, quand nous vivons, nous avons besoin aussi d'argent. Amen. 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 On n'accentue pas sur ça, mais c'est important. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu peux commencer à être mendiant ou voleur. Ils ont tellement mal compris Dieu qu'ils ont tout abandonné. Ils ont arrêté d'aller à l'école. Ils attendaient des promesses qui n'arrivaient toujours pas. Or, la promesse là était déjà passée. Maintenant, quand ils sont arrivés maintenant devant les faits accomplis, au lieu de changer leur pensée, babouille. C'était ça avec Caïphe. Caïphe avait compris que les messieurs qu'on avait crucifié, c'était le Messie. On l'a enterré là-bas. Ils attendaient le premier jour, deuxième jour, troisième jour, on les a dit, il est ressuscité. Ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'on a fait? C'est le Messie. Si on le dit là-bas à la synagogue, ça va détruire toutes nos églises. Donnons simplement l'argent, fermons la bouche des militaires, continuez à prêcher notre mensonge. Et ils étaient conscients du mensonge qu'ils prêchaient. Mal. Parce qu'ils étaient, ils savaient que Jésus était le Messie, il était ressuscité. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont dit aux gens là-bas que Jésus n'était pas ressuscité. Dieu retire l'homme, mais pas l'esprit. Les mêmes esprits sont ici. Les gens n'ont pas le courage de questionner la parole de Dieu. Frère, vous dites ça et qu'en est-il de ça? C'est courage, ils n'ont pas. Mais là-bas, frère, vous avez entendu, là-bas, ils croient que Jésus est déjà venu. Mais viens me voir. On n'en parle pas. Amen. Et le frère Balon nous dit d'ailleurs que la seule façon pour racheter ses corps, ça doit mourir. Yes. Il dit la seule façon. Il n'y a pas un autre rachat de ses corps si ce n'est pas la mort. Comme je l'ai dit, si le frère Balon est passé par là, Jésus est passé par là, ce n'est pas toi qui vas échapper. Yes. Man. Oh là là. C'est-à-dire que tout le monde passera. Et lorsque le bombe va éclater, tout le monde passera. Yes. Ça, c'est, ça sera la fin de toute vie. Amen. Maintenant, le frère Branham dit ceci. Le frère Branham dit, dans le message appelé la seconde vie, il dit ceci. Il y a quelques semaines, la médecine a trouvé qu'au centre du cœur humain, il y a un tout petit compartiment n'ayant même pas de cellules de sang, ni rien du tout, ni rien tout autour. Et on dit que c'est là la demeure de l'âme. Les animaux ne l'ont pas. Donc après tout, Dieu avait raison. L'homme pense avec son cœur. Or, vous pouvez avoir une foi intellectuelle après avoir écouté la parole de Dieu, puis la saisir avec votre esprit. L'accepter sur cette base-là, c'est qu'une foi intellectuelle. Et nous avons beaucoup de foi intellectuelle dans le message du jour. Yes. Du fait qu'on a maîtrisé les citations, ne veut pas dire qu'on connaît les messages. Yes, 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 yes. Amen. Faire une seconde, ça c'est une foi intellectuelle. Mais la foi qui est
substance, regarde ce que la parole dit. On regarde, nous sommes où? Dans cette Bible, nous sommes dans quel chapitre? Amen. En cela, cela, c'est telle chose et telle chose que je vais avoir lieu. Voilà. Dans les soleils, nous sommes où? Dans l'âge de Lyon. C'est-à-dire, l'âge du cancer, c'est déjà passé. L'âge du cancer, c'était l'âge de la Odyssée. C'est-à-dire que, comme nous sommes dans l'âge de Lyon, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'âge du cancer, c'est déjà du passé. Amen. Il dit, avec votre esprit, l'accepter sur cette base-là. C'est qu'il y a une foi intellectuelle, mais la foi dont Jésus parlait dans Saint Jean 5, 24, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Cela ne vient pas de la foi intellectuelle. Cela vient de l'expérience de la nouvelle naissance. L'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Il est né de nouveau. Et c'est de là que provient la pensée de son âme. Et non pas de son esprit, mais de son âme. Quelque chose qui déclare que c'est vrai. Et le contraire est faux. Amen. J'espère que vous saisissez cela. Vous le savez de toute façon. Oh, non pas ce que le médecin dit. Ce que le médecin dit, ce que l'évangéliste dit. Vous savez chaque fois dans votre âme. Et lorsque ce qui est en vous est né de nouveau, mais c'est de Dieu l'évangile à l'homme et l'évangile pour moi, pour toi. C'est ce qu'il nous fait maintenant. Donc c'est-à-dire que la foi intellectuelle, ce n'est pas ça. Venez dans le message, continuez à avoir les mêmes promesses qu'on avait de l'autre côté là-bas, ça c'est une foi intellectuelle. Mais la véritable foi, c'était un gâchis. Quand vous venez comme ça, vous déclarez les choses, les gens vous demandent, ça y est où? Si vous dites que Jésus est venu, on vous dit, il est où? C'est-à-dire que quand il demande, il est où? Il fait le voir avec les yeux physiques. Yes. Et pourtant, le Père dit que les yeux physiques ne concernent pas la parole de Dieu. Yes. Amen. Amen. Il veut les toucher. C'est comme Thomas. Thomas dit que non, moi je vais d'abord te toucher. Je vais d'abord te toucher. Mais Pierre et les autres ont déjà cru. Thomas dit non, moi je vais d'abord toucher. Nous, Thomas, nous étions avec lui. Il est réellement ressuscité. Ah, rien. Il faut que je le touche. C'est-à-dire que même quand Jésus était devant lui comme ça, Thomas ne comprenait toujours pas que c'était lui. Ses yeux pouvaient voir Jésus, mais pour lui, il fallait d'abord le toucher. Man. Jésus dit, ok, viens toucher. Quand il vient toucher, vous allez dire, oh mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Les cinq sens ne concernent pas la parole de Dieu. C'est une affaire de l'âme. Et quand l'âme voit quelque chose, une fois que vous croyez à partir de votre âme, même vos yeux physiques maintenant s'ouvrent. Amen. Et maintenant là, je peux dire que je vois Jésus au travers de vous. Amen. Mais dire dans le crédit, où est Jésus? Je dis que Jésus est là devant toi. Il dira, non, ça c'est le frère Jésus, ça c'est pas Jésus. Amen. Comme d'habitude. De même, tout homme qui compte vivre pour Dieu devra aller au-delà des cinq sens. Yes. Yes. Il devra dépasser toute l'instruction, toute la réalisation atteinte par l'homme et croire Dieu, franchir tout, écarter tout et s'élever dans les étendues du ciel. Comme j'appelais moi, Seigneur. Amen. Oh, les astronautes et tout. Ce qui a été accompli dans les domaines naturels, Dieu a pu accomplir ces choses par son Église, par ceux qui sont spirituels. Amen. 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 Par un peuple spirituel qui croit. Amen. Et seul. Tout homme ou toute femme qui ose à n'importe quel moment, prendre Dieu au mot est un astronaute. Amen. Lâche les astronautes. Voilà pourquoi les derniers êtres vivants, dans l'âge de l'Odyssée, c'était un aigle. Amen. Parce que l'aigle, c'était un oiseau de sa terre. L'aigle n'est pas l'oiseau de la terre. Parce que l'aigle, son travail était de quitter la Odyssée, de quitter le quatrième saut, de s'envoler dans le septième saut. Et quand la mère aigle est arrivée, elle dit que, mais qu'est-ce que tu fais dans la basse cour? Tu fais quoi dans la Odyssée? Il dit, non, moi je suis né
Je suis né dans un moment là-bas. Non, pas tu n'es pas dans un moment là-bas. Non, pas je suis né ici dans un moment là-bas. Non, tu n'es pas de là. Il dit, regarde à côté de moi, tous les possédants. Eux, ils ont été créés pour rester là, mais pas toi. Monte. Mais je vais monter comment? Pas des ailes. Mais comment? Fais ça. Après, il est parti. C'est-à-dire que quand la mère, elle me parlait, tout ce qui pouvait l'aider à s'envoler était déjà en lui. Mais il était inconscient. Amen. C'est ça le problème avec les gens. Lorsque nous avons écouté le message des frères Branham, ça nous a rendu conscients de ce que nous étions. Parce que le message ne fabrique pas les gens à devenir membres de l'Église. Le message ne vous pousse pas à être un membre assidu à l'Église. Mais le message vous fait découvrir qui vous êtes. Amen. Et pour quoi vous devez croire par rapport à la foi, au moyen de la foi, la divinité de Jésus. Et cette même puissance, c'est même Christ. Alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui réunissent la puissance de Dieu dire qu'elle est force. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est vrai, hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. C'est une prise de conscience. Amen. Le diable essaie de vous barrer la route. Vous disait que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Yes, sir. Vous entendez Jésus venu du ciel. Frère Branham dit que la divinité n'est pas au ciel. Amen. Ça dit que sa divinité n'est pas là. Ça dit qu'il essaie de rester fille. Amen. Hein? Jésus ou là? La route de rouge, la divinité est pas au ciel. La divinité est pas au ciel. Elle est où? En vous. Yes, sir. Comme disait le frère Kabe, il appelle les gens. Venez-vous. Vous-même. Les femmes ont dit que la divinité n'est pas au ciel. La divinité, elle est en nous. Alors, si vous cherchez Jésus, il est où? Mais c'est moi, je suis là. Amen. Ça y sens. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Amen. Dieu n'est plus au ciel. Femme à l'église, Dieu est dans son peuple. Amen. Si vous le croyez, c'est ça la puissance. Amen. Tout esprit maléfique va régner devant vous. C'est comme le clip de notre frère Genovia fait. C'était quoi? Le domestique a pris en otage l'enfant de la maison. Parce qu'il avait cassé le verre. Il fait ce qu'il a. Je vais dire ça à ton père. D'accord, je vais vous faire. Il est devenu esclave du domestique. L'homme est devenu esclave de Satan, lui qui est un fraudeur. Le diable n'a jamais été dans la pensée de Dieu. Toi, un fils du roi, tu es devenu son esclave. Maintenant, il fallait qu'on te dise que non, tu n'es pas esclave. Le verre que tu avais cassé, c'était pour toi-même. La foi a dit, oh, mais toi, tu as bien avec moi. C'est pour ça qu'on dit que la foi est une révélation. Il donne un exemple. Il dit que si vous avez l'argent en poche, vous avez faim. Non, pardon, vous avez faim, vous n'avez pas d'argent. Et vous rencontrez un frère qui vous donne 10 pounds pour vous acheter quelque chose à manger. Mais les 10 pounds là déjà, c'est ça la substance. C'est aussi sûr et certain que vous avez déjà la nourriture. Et vous allez voir que même la faim va commencer à diminuer. Mais c'est vrai. Parce que l'homme, quand l'homme est sans révélation, il est sans foi, il est dans le désespoir. C'est comme cette maman qui souffre. Elle souffre tellement. Mais comment est-ce que tu souffres comme ça? Ah, moi, je vous ça. Et tu n'as pas d'enfant. Non, j'ai un enfant, mais il est parti très loin là-bas, c'est consulté les pauvres. Mais il ne t'envoie pas de l'argent. Oh non, il ne m'a jamais envoyé de l'argent. Ah, c'est vrai. Mais par contre, il m'envoie.
des petits livres là, ça y est là dans ma Bible. Oh. Montrez un peu ça. On voit la Bible en livre comme ça. C'était l'échec. Ça veut dire qu'elle mourait de faim pendant qu'elle avait l'argent. Mais elle n'était pas consciente de cet argent-là. C'est ça le peuple de Dieu aujourd'hui. On n'est pas conscient de ce que nous sommes. Le vrai madame dit que la divinité a quitté le ciel. Elle est en vous. Mais quand vous priez, vous regardez toujours Dieu au ciel. Quand vous les cherchez au ciel, ça veut dire que vous cherchez autre chose que Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ça veut dire que c'est Satan. Amen. Et ça doit changer notre pensée concernant la venue du Seigneur. Amen. Quand on parle de la venue du Seigneur, ce n'est pas un seul imaginer Dieu. De... Non, c'est-à-dire un Dieu qui viendra, mais il est déjà en vous. Donc ça dit qu'il viendra simplement se manifester. Amen. C'est ça la venue du Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je vais vous dire, alléluia, je sais que vous pensez que je suis fou. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais je m'en fous. Amen. Je m'en fous d'être fou. Amen. Si Dieu dit quelque chose, frère, moi je le crois et j'avance. Amen. Jamais, au grand jamais, je croirais attendre Jésus après le départ de frère Branham. Jamais de la vie. Si le frère Branham ne m'a jamais présenté Jésus, ça dit que moi je ne verrai jamais. Amen. Ça dit que cette promesse de la vie du Seigneur, c'est carrément du passé. Amen. Et le frère Branham, en tant que cet ange, c'est lui qui devait partir vivant dans l'enlèvement avec son groupe. Il va avec son groupe, vivant. Parce qu'il ne peut pas être là, ressuscité, pour être du côté de Moïse. Non. Lui, il est Élie. Il va vivant avec son groupe. Le frère Branham dit maintenant, pour la dernière nuit, pour l'épouse, cet enlèvement n'est qu'une révélation. Amen. Jean était ravi au jour du Seigneur. Il est monté au jour du Seigneur et là on lui a montré les sept sceaux. Le but de l'enlèvement pour Jean, c'était pour voir les sept sceaux. Amen. Mais là vous avez vu les sept sceaux comment? Amen. Et frères et sœurs, cette divinité est en vous. Amen. Écoutez maintenant, encore un peu de temps, le monde ne verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Christ est la crèche? Non. Christ est en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Mais Christ est en vous. Frère, j'adore Christ en moi. Amen. C'est-à-dire, le Dieu que j'adore, il est en moi. Yes, sir. Il n'est pas ailleurs. Yes. C'est ce que le frère Branham dit. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Amen. Le Créateur Dieu lui-même habita dans l'être humain. Amen. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais nous le verrons tel qu'il est, car nous serons rendus semblables à lui. Amen. L'Esprit dans l'être humain. Amen. Mais pour être semblable à lui, qui est Dieu? Est-ce que nous cher? Pour être semblable avec lui, tu vas être comme lui. Comme lui, il est l'esprit, tu vas être l'esprit comme lui. Amen. Et quand il descend dans la condescendance, dans ton cœur, il met une partie de lui en toi, c'est là que tu deviens comme lui. Amen. Et c'est là où le frère Branham nous dit que tu peux voir avec ses yeux, regarder avec ses yeux et voir un homme et un monde parfait. Pendant que j'ai le péché. Longas. Mais lorsque vous voyez réellement ce que Jésus était, voilà là, comme je vais reprocher la divinité suprême de Jésus-Christ, si donc vous pouviez donc réaliser qui il était, Amen. Ça veut dire que les gens ne connaissent pas qui Jésus est. C'est pourquoi le frère Bamé est en train d'insister. Frère Bamé, oh Seigneur, fais en sorte que les gens voient. Le grand problème, frère, c'est pourquoi le plus grand ennemi de Dieu, c'est l'Église. L'Église a semé tellement une mauvaise sémence dans les gens. Et que quand la parole de Dieu vient maintenant à vivre, ça devient une bagarre dans l'homme. C'est ça, l'Église. Et ce qu'il a fait pour vous,
hommes et femmes, vos cœurs se déchireraient au-delà de vous. Et vous serez disposés à vous débarrasser des ordures du monde. En fait, de vivre pour lui. Oh, comme c'est merveilleux. Et quelle personne il était si vous vous rendez compte de la condescendance de Dieu lui-même. C'est dévoilant lui-même, descendant jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur. Amen. Dans le message Élie, le frère nous disait, je prends un mot. Eh bien, aujourd'hui, il est exactement le même qu'il était quand il conduisait les enfants d'Israël. Amen. Sous la forme de la colonne de feu. Amen. Ce n'est que la condescendance de Dieu. Dieu s'abaissa lui-même. Je vous lis ce passage. C'est que je cherchais ce jour-là. Il est cherché ce jour-là. Hébreux chapitre 7. Maintenant, Abraham devait hériter le monde. À la postérité d'Abraham, toutes les nations devaient être bénies. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Amen. Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Maintenant, quand on dit que Jésus viendra, il viendra comment? On n'a pas quelqu'un qui est déjà ici. Amen. Amen. Je sais ce qu'il en devient. S'il devait jamais quitter la terre, je ne sais ce qu'il en deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Amen. C'est ça la force de Dieu du monde. Amen. C'est-à-dire que ça là, ça doit changer la pensée de la venue du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de quelque part. C'est quelqu'un qui est avec nous ici, qui ne fait que se manifester. C'est ce que nous appelons la venue du Seigneur. Amen. Oh, loin soit ton nom. Il était avec les enfants dans le désert, venant d'Égypte, sous forme d'une lumière. Il parlait à Abraham sous forme d'un homme. Il parlait à Moïse sous la forme d'un homme. Il parlait à l'Église sous la forme d'un homme. Amen. Son fils est Jésus-Christ de Jésus. Et il parle par son Église aujourd'hui, par l'Église pointe de Dieu, par le vase d'argile. Vous êtes les serments, je suis les serfs. Dieu parle encore toujours et le monde voit Jésus comme vous le présentez. Voilà comment le monde, vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Votre vie dit ce que vous êtes. Amen. C'est-à-dire que Jésus, au retour de Lucas, Dieu va s'en aller. Amen. Je veux que Dieu. La foi, c'est le super sens. Un homme comme Moïse. Parce que dans la Bible ici, on nous parle des héros de la foi. Dans mais quand on parle de ces gens-là, on n'a même pas mentionné la guérison de malades ici. Et pourtant, je crois à ça. Amen. La Bible dit, Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Abraham cherchait une cité dont le constructeur était Dieu lui-même. Et cette cité-là, c'était la nouvelle Jérusalem. Maintenant, Abraham, pendant qu'il se promenait, il voit Melchisédek. Qui est Melchisédek? Melchisédek, c'est le roi de Salem. C'est-à-dire qu'il s'est dit, si je vois le roi, c'est que la ville n'est pas loin. Parce que lui-même, Melchisédek était le roi de Salem. Et Salem, ça veut dire la paix. Shalom. Et aujourd'hui, on nous a prêché qui est ce Melchisédek. Et ce Melchisédek, c'est lui qui est la ville de paix. C'est lui qui était le roi de Salem. C'est-à-dire que la nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui n'est pas de cette terre, mais c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu. Amen.
Ce n'est pas aller embellir l'ancienne Jérusalem, mais c'est une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu. C'est-à-dire que si nous avons même qui s'est avec nous, c'est-à-dire que la cité est venue avec lui. Amen. Mais il s'agit de la foi pour le croire. Amen. C'était ça la foi d'Abraham. Un Abraham qui attendait l'enfant. Durant toutes ces années-là, il était stérile, il n'enfantait pas. Il est devenu vieux. Et après l'enfant, vieux âge, il prend un enfant. Dieu lui donne un enfant. Après, Dieu vient pour lui dire que non, Abraham, va tuer ton enfant. Frère, forme-moi l'enfant, pourquoi la faire? Ce n'est pas qu'il avait beaucoup d'enfants. Il n'avait qu'un seul enfant. À part Ismaël. Dieu lui avait dit que tu auras une postérité avec cet enfant-là. Mais le même Dieu qui revient pour lui dire qu'Abraham prend cet enfant-là, va me l'offrir. Abraham n'a pas douté. Il s'est mis debout, il a pris l'enfant pour aller tuer. Abraham savait que, comme Dieu, c'est lui qui avait fait la promesse de la postérité, il est capable de ressusciter encore l'enfant-là et de le ramener à la vie. C'est-à-dire que ce n'était pas son problème. Abraham croyait Dieu dans tout ce qu'il lui disait. Amen. Parce qu'il savait que Dieu est capable. Amen. Et Abraham a pris son enfant. Lorsqu'il arrive là-bas, Dieu lui dit, je sais maintenant que tu m'aides. Voilà pourquoi il est appelé le père de la foi. Donc tous les erreurs de la foi, frère, ils ont cru à quelque chose qui n'a jamais été cru. C'est ça. Mais la foi de Noé, c'était quoi? Énorme était enlevé. Sans passer par le monde. Mais le fait même dit qu'il était le type du septième âge de l'Église qui devait être appelé à sortir de l'âge de la Odyssée. Maintenant, si vous sortez de l'âge de la Odyssée, vous en volez. Pour sortir de la Odyssée, il faut vous en voler. C'est ça la foi de nous. Et qu'est-ce que nous avons? Et nous voit le Seigneur qui descend avec ses saintes myriades. Amen. Et nous aussi avait vu la même chose que Jean. C'est-à-dire que nous aussi était parti dans les jours du Seigneur. Jean, quand il est appelé dans Apocalypse chapitre 4, il dit, monte ici. Quand il monte, il va là-bas, il voit les jours du Seigneur. Et nous aussi a vu la même chose. Amen. Il voit le Seigneur qui descend avec ses saintes myriades. C'était par foi que Noé fut enlevé dans les jours du Seigneur comme un Jean. Amen. Il s'agit de la foi. Tous les erreurs de la foi ici, ils ont cru à quelque chose que personne n'avait cru. C'était comme la folie. Et c'est cette substance foi qui se passe dans le cœur de l'homme. Amen. Qui est le super sens. C'est-à-dire que Dieu lui-même qui descend dans l'homme. Amen. Et qui croit sa propre parole. Amen. Parce qu'un être humain ne croirait jamais Dieu. Amen. C'est impossible. Amen. Il faut Dieu. Voilà pourquoi le Père dit que son message est centré sur la nouvelle essence. Amen. C'est-à-dire la connaissance de Dieu qui vient vivre en toi. Pas pour te donner si c'est quoi là, mais c'est pour t'aider à croire la parole. Amen. C'est ça la substance foi. Amen. Notre Seigneur est parti. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. À la croix, au pied du maître. Enfin, les gens sont là. Non, il n'y a personne. Regarde. Son disciple, je vais être.
Thank you.